Hey, salut à tous, c'est Minecraft Shonen, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Let's Play sur South Park. Alors, épisode du coup post-fin de Let's Play, parce qu'on a terminé le jeu. Mais il nous reste encore quelques quêtes secondaires à faire, déjà les... December 6, hein, on s'en souvient, le 6 décembre, hein, bien sûr. Donc du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller voir les différents... salut vous. Non. Ce qu'on va faire, oui... c'est qu'on va aller terminer les quêtes qu'on n'a pas faites, donc trouver les yaoi, fouiller toutes les maisons, aller voir Monsieur Adams, ça il faut qu'on le fasse, et surtout terminer la quête de Craig et Twix, ce qu'on va faire aujourd'hui déjà, et Monsieur Adams aussi évidemment, parce que il faut bien terminer le jeu, j'essaie de terminer le jeu à 100%, mais oh non, tu vas pas commencer à bugger un peu le jeu là, non, je te vois venir, tu vas pas commencer à bugger, non, juste à cause de l'autre qui parle coréen là, non, y a... non, mais c'est mort. Il faut aussi que je ramène ces chats à le super gay parce que j'ai quasiment récupéré tout ça. Et il y a plein d'endroits où on n'est pas encore allé. Notamment à la ferme de Member Berries, là on nous avait dit qu'il y avait ça. Et même le Canada. Le Canada, on peut y aller ou pas? Ouais. Ah oui, ça il faut. Ah bah c'est juste là où je dois aller. Ouais non, il y a trop de choses à faire. Donc on verra. Même la mère. La mère, elle m'avait demandé de l'aider pour la ville. Mais vu que je l'ai aidé maintenant, est-ce qu'elle va. Bah non, je suis déjà ami avec elle, donc en fait je m'en fous de faire ça. Non, mais je veux terminer le jeu à 100%. Donc voilà, bon après. Il y a les DLC qui vont arriver, et là du coup il y aura des vidéos sur les DLC quand ils sortiront. Après du coup, est-ce qu'il y aura un DLC? Parce que là on a deux DLC de confirmés déjà. Mais est-ce qu'il y aura un DLC du coup où on fera équipe avec Professeur Chaos du coup? Parce que peut-être que ça peut se voir comme un autre jeu, l'asset post générique de la fin. Mais peut-être aussi que ça peut se voir comme... TG, allume-moi la porte. Ouais, merci. Parce que peut-être que ça peut être aussi un DLC où il y aura ça. Donc là, je suis déjà ami avec vous tous, je pense. Est-ce que je suis déjà ami avec toi, Harrison? Well done, Crime Stopper. You're officially the youngest member of our sacred order. Ouais. Mais du coup, j'avais déjà fait un selfie avec toi. Non? Je pense que oui. Je pense que oui, par exemple si je fais ça, ouais non c'est bon, j'ai déjà fait un selfie avec toi. Bon, ce coup-ci je vais pas me faire chier à changer de tête tous les deux épisodes, enfin tous les épisodes vu que j'ai déjà fait le let's play quoi, enfin donc il y a un moment c'est bon. Alors, et ouais, t'as un truc à me dire? Allez. Ouais, à mon avis c'est obligatoire, ouais. Ouais. To my best fan. Poupée de l'attouchement. Beaucoup trop cool. Et est-ce qu'elles vous ont touché là? Est-ce que quelqu'un vous a déjà touché par là? Visage fanatique. Putain. Monsieur Adam, je m'en fous, faire un selfie avec toi. Ouais, c'est mieux. Il est beaucoup trop content, il monte sa photo là pour faire sa pub en disant hey, c'est moi, Monsieur Adams. Non, mais c'est bon, tu m'as déjà mis pour mon grand fan là, donc j'ai plus besoin de photos comme ça. Bon, du coup, donc ça, une mission de fête, donc on est amis avec lui, et j'ai envie de voir s'il y a une, je sais pas s'il y a un succès soit mis avec tout South Park. Soirée micro ouvert de la salle On Spoil, on spoil, pourquoi j'essaie de tout prononcer On Spoil, non mais, On Spoil, c'est plus simple. Bon allez. Du coup, on avait récupéré le cochon d'Inde de Twig, et maintenant il faut qu'on l'y rende. Et voilà. Et parce qu'il y a plein de gens, notamment les parents de Twig et de Craig, enfin leur mère en tout cas, qui m'ont dit, si je me souviens bien, qu'ils voulaient être amis avec nous, enfin ils pourraient pas faire de selfie tant que leurs enfants ne seraient pas réconciliés. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire, on va les réconcilier, comme ça on pourra faire des selfies avec d'autres gens. Et c'est plutôt pas mal. Bon sinon ce jeu j'adore. J'adore. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que j'imagine que quelques jours... Des hommes crabes, très bien. Non. Donc quelques jours après la toute fin du let's play, c'est-à-dire même avec ces épisodes-là, ces épisodes bonus, même quand eux seront terminés, je lancerai du coup le deuxième let's play où je changerai de langue à chaque épisode. Et ouais, ce sera sympa. Et ensuite, pour être sûr que de pas spoiler les gens et que tout le monde ait bien fini, après je demanderai leur avis à pas mal de personnes pour voir en global ce que pensent les gens. Mais c'est quoi là en fait? Trouve 40 Yaoi, ah, c'est la mission de Yaoi, ouais. Pour voir les gens... pour voir ce que les gens ont pensé. Mais après moi je ferai ma grosse analyse du jeu, ma grosse critique, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je l'ai attendu assez longtemps pour pouvoir savoir ce que je vais dire dessus.
Enfin, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais vous avez compris. En tout cas, ce que je veux faire, c'est déjà terminer le jeu, parce que je suis sûr que dans les quêtes que j'ai pas faites, il y en a qui doivent être hilarantes. Et moi, des quêtes hilarantes, je veux les faire. Voilà. Oui, non, mais j'ai pas d'autres arguments. Équipe-toi d'artefacts pour augmenter ta puissance. Bon, ça, je sais, mais du coup, à mon avis, si je récupère encore quelques artefacts, j'aurai tous les artefacts, en tout cas, le maximum, parce que y avait une jauge, la maître d'artefacts a augmenté. C'est bon, tu peux aller faire ça? Oh. En plus, dans le, vu que tout le monde s'est réuni, je pense que cette quête, j'aurais dû la faire avant, parce que ils étaient limite... Non, ils étaient pas réconciliés, mais presque. Presque. Ah ouais, tiens. Ok. Oh, hello, new kid, right? Ouais, ouais, c'est ça. Listen, I see you're really trying hard to get my son and his boyfriend back together. Ouais, bah oui. Well, I so appreciate it. Having a gay son is really good for the coffee business. Ouais, je me doute. I think all they need is a little relationship counseling. Okay. Could you give this to Craig? Maybe together we can both help them out, huh? On va les remettre ensemble. Allez, je suis chaud. Convocation du conseiller d'orientation. Eh bien, ouais, bon, on fera ça, comme ça on pourra ajouter, on aura déjà deux nouveaux personnages, enfin, les deux mères à ajouter en amis, donc voilà. Tweak wants me to go to counseling with him? No way. Si. Tell him there's no way I'll go to counseling unless you go. Moi? I need my support team. Mais je sers à rien, je dis rien, bon. De toute façon, dans tous les cas, j'allais être là, hein, t'inquiète pas pour ça. T'inquiète pas, bon par contre c'est chiant de faire des allers-retours, mais oui. Non mais je viens de sortir. Mais t'inquiète pas, moi j'allais pas rater ça, hein. Je vais pas vous faire une mission sans que je vous regarde, sans que je vous regarde l'affaire. Ouais. Ok. Ouais, mais je serai là. Ah ouais, bah je serai là. Bon bah, allons-y, hein. Parle à Monsieur Tweak. Ah, Monsieur Tweak. Que vas-tu nous me dire? Comme Super Craig d'ailleurs. Oh, j'ai gagné des trucs du coup. Tenue électropunk et gants électropunk et couvre-chef électropunk. Très bien, très bien. J'accepte. J'ai déjà fait un selfie avec toi. Donc, il faut qu'on aille voir le conseiller du coup, j'imagine. À mon avis, ça doit être ça. Et bah du coup on va se taper là et on va voir ce qui se passera à cette thérapie qui risque d'être, je pense, amusante. Bon. Oui. Bah je m'en doutais puisque je suis déjà là. Eh, ça tombe bien, hein. Guerre thérapeutique. Ouais, j'arrive, je suis là. J'ai envie de voir ça. Enfin, franchement, je ne raterai cela. Pour rien au monde. Est-ce qu'ils vont se réconcilier? Je pense que oui. Mais bon, avant, il faudrait que le jeu charge. Et ça, c'est un autre problème, évidemment. Du coup, je suis obligé de meubler. Et c'est sûr que meubler, comme ça, c'est pas toujours facile, hein, quand on n'a rien à dire. Parce que, voilà, parce que chargement, en plus, le jeu nous aide même pas en notant des blagues ou machin. Parce que parfois, il y a des écrans de chargement où il est noté des trucs drôles ou intéressants. Mais là, même pas, il y a juste marqué chargement. Donc voilà, c'est bon, je peux arrêter de meubler. Je suis malade. Allons-y. Oui, j'ai remarqué ça. Craig and Tweak have agreed to some counseling as long as you're present, new kid. Oui, je sais. Now, Craig, what do you want to say to Tweak? I think he has some stuff he should say to me. Okay, Tweak, you want to start, maybe? I have nothing to say if that's his attitude. C'est un peu comme la thérapie entre Token et Cartman dans World War Zimmerman. Okay, well this isn't really going that well. Okay, boys, I want to do an exercise with you. Allez, très bien. I have some kids here to help us out. When we're trying to have some therapy, the first thing we need to do is take out our resentments, okay? So let's have our resentments come on out over. Okay, and then in a relationship, we also have expectations, okay? Because expectations lead. Ok, c'est original de présenter ça comme ça, mais oui. Ouais, salut, accusation. Ah ouais. Ah ouais, victimisation et withdrawal. Go fuck 'em up. There they are, right there, Tweak. Craig, go beat the shit out of them. You too, new kid. Donc ça finit en combat, évidemment. Comment j'ai pu ne pas y penser? C'est évident, du coup on va m'arraver sa gueule. Leur gueule du coup assez ses mauvais sentiments. Par contre mon jeu est lent aujourd'hui, hein.
Ça se ressent là, voilà, bah, c'est bon. Bat les enfants thérapeutes. Ok, donc c'est des thérapeutes, très bien. Et bah on va leur niquer leur race, c'est sentiment négatif. Négatif, pardon. Oui, oui, je sais. Du coup, New Kid, ici présent, tu vas utiliser ton attaque de bois. Mais voilà, c'est bon. Comme ça, tu vas leur faire bien mal. Et ça me semble pas mal. Hein, voilà. Donc, je sais pas en quoi les combattre va nous aider à... Enfin, va les aider à se réconcilier, à se réconcilier, mais bon. Alors toi, tu peux faire... ça serait inutile, ça serait pas mal. Ça, ce serait encore mieux, ça. Ah non, mais ça, ça ferait rien. Ah non, comme ça, ça touche tout le monde. Ah bah ok, voilà, on fait comme ça. Franchement, j'aime bien leurs attaques à tous les deux, donc c'est cool de pouvoir combattre avec eux. Eh oui. Toi, tu veux quoi? Tu veux me frapper? Bah écoute, non. Ah non, je n'ai pas envie spécialement. Donc, on va dire que non. Garde par exemple toi, là. Voilà, bah toi, je sais pas pourquoi, mais je t'aime pas, du coup. Tu vas mourir, c'est tout. Bon, tu vas pas mourir littéralement, parce que... Mais t'auras plus... Voilà, t'as 38 points de vie, bah tu crèveras au tour prochain. Ouais... Non, mais me faites pas mal non plus, c'est pas cool. Ouais, enfin, non, moi ça m'a pas fait du bien, non. Allez, le choc. Toi. Ah bah tu vas attaquer à distance et tu vas tuer ton pote en même temps avec le choc. Et le choc, voilà, ouais, c'est ça que j'attendais. Allez, ensuite c'est à Craig. Mais calme-toi, Twig, arrêtez de toujours dire ça. Vas-y. Voilà, ça c'est bon. C'est vrai, c'est vrai. Et merde. Ça va être chiant par contre. Je n'attaque un peu de lancer des glaçons. Mais... Très bien. Alors, New Kid, tu vas leur faire mal. Comme ça, ça va bien leur casser la gueule. Du coup, c'est assez agréable. Voilà, plus. Il en reste plus qu'un. C'était assez facile. Ah. Donc il y a plus d'attentes encore, d'accord. Donc ça c'est chiant. Ok. Ils se réconcilient. C'est vrai. Merci toi, merci Craig d'avoir la voix de la raison. Oh. Allons-y. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, leur ulti est prête. C'est une nouvelle ulti du coup, Wonder Twig. Ça va toucher tout le monde, ça va les buter. Enfin, sauf lui qui est tout là-bas, mais ça va buter au moins tout cela. Et bah, si je fais ça, ça les tue tous, non? Ah non, l'autre il est toujours pas touché, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. Comme ça, ça coule. Ah, il se donne la main. Ah, il se donne la main, voilà. Donc ça c'est logique. Oh. Avec Let's Fighting Love en fond. C'est beaucoup trop drôle. Oh non. Est-ce qu'ils vont... Non. Et ils sont aussi... Hey, hey, let's go, Pikachu, let's fight in love. C'était beaucoup trop bien. J'ai trouvé ma miniature. Exactement, c'était magnifique. Oui, bah maintenant il reste plus qu'un, donc écoute-toi... Bah bonne chance, hein. Mais du coup, ça fait que j'ai une nouvelle multi, enfin une nouvelle ulti pour eux. C'est cool. J'adore le style, c'était beaucoup trop bien. Allez, victoire, tu as gagné. Triomphe de cœur, du cœur. Ah, j'ai la fille de perso de Super Craig et la fille de perso de Wonder Twig, ça il me l'est manqué encore. Et bah c'est génial. Génial, bon par contre j'ai jamais compris à quoi ça servait. J'ai jamais regardé les fiches de perso là. Mais plus que 3 artefacts et on a les 50. Ouais. On les a réconciliés si c'est pas mignon. Oh non, sérieusement. Oh, ils sont mignons quand même. Bon, il faut retrouver les autres yaoi. Par contre, ça, on a toujours pas terminé. Il faut que je chie dans toutes les chiottes aussi. Ça, encore un truc qu'il faut que je fasse. Mais en attendant, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le super gay. Je pense qu'on va terminer tout ce genre de quête dans cet épisode-là. Et dans le prochain épisode, on refera toutes les maisons en vérifiant si on n'a rien oublié, si on n'a pas perdu un yaoi ou... Voilà, on fera de l'exploration dans le prochain épisode. Et peut-être que ça va se terminer là, ou peut-être que je ferai deux épisodes d'exploration. Mais à mon avis, en un épisode, si je coupe bien et je fais des ellipses, je pourrais réussir à tout terminer. Alors, tu vas m'emmener, du coup, ici. Voilà, enfin, à côté de chez le super gay. Lire ici. Oui, allons-y. Du coup, il va falloir encore que... Ouais, donc, les chiottes.
et les yaoi, et ça devrait être bien. Si tu éprouves des difficultés, je n'ai pas eu le temps de finir de lire, ne pète jamais vers les couilles de quelqu'un. Et évidemment, ça c'est la leçon que m'avait donné The Stick of Truth de vie, la leçon de vie qu'il fallait garder de ce magnifique jeu. Et Fastpass est tellement rapide qu'il prend les passages piétons. Quel gentil garçon ce Fastpass. Donc, allons ici, je ne dirai pas Quickie, hein, c'est mort. Même quand je jouerai en VF, ne m'entendez pas dire Quickie. Bon, alors toi, Jesus Christ, c'est tout ce que t'as à dire. Et toi, le super gay. Hey, little superhero, I'm only missing one more little kitty. Can you find him before those fucking sixth graders do? Mais où il est? Je suis sûr que je l'ai déjà croisé, mais j'ai sûrement oublié de le prendre. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Kirby est un petit chaton complètement flippé, il adore se balader entre l'arrêt de bus et l'école. Ah, c'est celui que... Ce serait celui où les sixièmes lui cherchaient des emmerdes. Du coup, à un moment, au tout début, quand les sixièmes, ils essayaient d'attraper un chat, ça devait être lui, à mon avis. Donc, on va stepper là-bas, et on va aller chercher le dernier chat d'Al Super Gay. Kirby Super Gay, d'ailleurs, mais... Kirby, je l'avais pas déjà pris. Ou alors, ça n'a pas été enregistré, mais si, je me souviens... J'avais eu le chat qui s'appelait Kirby et j'avais même fait une blague sur Kirby 54. Donc si, bon, on va dire qu'il y a eu un bug. On va dire qu'il y a eu un bug parce que de mémoire je pense que je l'avais eu. Mais bon. Donc on va aller aux alentours de l'arrêt de bus. Et on va le trouver. Mais si, c'est pas celui qui était sur le toit d'une maison là, pas loin. Je pense que c'est ça. Le Kun est le rejeton d'un raton laveur de l'espace et d'un agent de foyer du genre. Il faut essayer, tout essayer, je pense, un truc comme ça. Alors, donc... Le chat, il est pas là, donc là, non, ça... non, toi, t'es pas un chat, toi. Il était pas par là, donc, niveau... Donc, Kirby, c'est bien ça qu'il a dit, hein. Parce que Kirby, je me souviens du nom, ça, c'est un des chats qu'on a pris. Est-ce qu'il serait pas juste là? Non. Non, il est pas juste là, il est peut-être derrière, du coup. Il est peut-être un peu après, ben, mais si c'est celui que je pense, il est sur une maison, enfin, devant une maison, justement, sur un arbre. Est-ce qu'il va pas être juste là? Enfin, juste devant une maison. Non, vous cassez-vous. Bon, apparemment il est toujours pas là. Faudra que j'aille revoir le message de la super gay. Parce que je suis pas sûr, on va juste retenu arrêt de bus. Mais si ça se trouve, il est pas là du tout. Donc non, faudrait que je regarde son message si je le vois pas juste à côté là. À mon avis, il va falloir que je regarde. Est-ce qu'il serait pas là? Non, là je l'ai déjà récupéré. Bah alors qu'est-ce que tu m'as dit, la super gay? Instagram, c'est là. Instagram. Alors, on va relire ce message entre l'arrêt de bus et l'école. Mais Kirby, je l'ai déjà. Enfin, si je me souviens bien, il était là. Il était juste ici, Kirby. Kirby, il était là. Donc, est-ce qu'il y en a un autre? Est-ce qu'on se fout de moi ou est-ce qu'il y en a un autre? Encore un autre là? Parce que non, mais moi, Kirby, ça me dit quelque chose. Hein. À mon avis, c'était lui. Est-ce qu'il y a eu un bug du coup? Parce que je pensais que je les avais tous, les chats d'Al Super Gay. Parce que là, à l'école, on est d'accord qu'il n'y a rien. Sinon, je l'aurais déjà vu, je l'aurais déjà pris. Ça me semble bizarre. Ça me semble vraiment bizarre. Pourvu que j'arrive pas à le trouver, on va se TP de ce côté-là. Et comme ça, on pourra... Oui, je sais. Et comme ça, on va pouvoir aller voir la ferme de Mamma Berries et peut-être aller au Canada aussi. Ça serait stylé. Tu peux changer la difficulté des combats dans la rubrique. Dans la rubrique de combat, j'imagine, mais ça, je le ferai... Je le ferai dans la prochaine partie. Alors déjà, ici, est-ce que j'ai récupéré tout le butin des sans-abri? Je ne suis pas sûr parce qu'il y a un succès, c'est récupérer tout le bulletin des sans-abri. Et j'ai pas tout. Donc je sais pas. Donc, on essaiera de regarder ça dans le prochain épisode, voir si j'ai rien oublié. En tout cas là, bon, je peux péter ça par exemple. Voilà, chiffon gras, bah, je trouve sympa. Là, il y a des ninja stars sur les trucs. Alors par là. C'est bon, le camion est parti. Et maintenant, là, il y a une ferme de Mumbleberries. Je pourrais aller la voir. Mimbe. Allez, je suis prêt à découvrir la référence ici. C'est pas la même... c'est pas la même ferme. Enfin, la zone est différente que celle du premier dans le premier jeu, du coup. En même temps, dans le premier jeu, il n'y a pas encore les Mumbleberries. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Allumé. Tu vois, c'est allumé. Interagir. Ah, je peux tourner ça. J'ai l'impression que je reçois des messages sur Steam là. Là j'ai l'impression qu'on me spam, ouais. Alors, je vais faire ça plein de fois, mais c'est quoi, ça va les presser les raisins. Par contre, non, mais... C'est Steam qui fait ça ou c'est le jeu?
Non, non, j'ai l'impression vraiment que je reçois des messages là. Donc voilà, donc on a buté plein de Member Berries. Ça nous fait du jus de Member Berries. Saut de jus de souviens-sens. Je vais dire Member Berries. Hein. Très bien. Bon, je vais aller faire une édite, voir que ce qui me spam, parce que là, il y a un problème. Non, il y a Morgan Freeman qui est venu entre temps. Qu'est-ce que tu veux me dire? Battle. Ouais. Tu me dis ça après la fin du jeu? Find me at my taqueria. Au resto de taco. Ouais. Ok. Bon, on va faire ça. Bon, on va finir l'épisode là-bas, du coup, j'imagine. Mais très bien. Voilà, j'ai réglé ce problème de spam. Alors, du coup. Donc là, je peux pas en reprendre, j'imagine. Mais de toute façon, j'ai pas besoin. C'est vrai que j'ai pas trouvé tous les Member Berries aussi. Bah, à mon avis, il y en aura bien ici. Oh. Je trouve toujours ça aussi drôle, mais aussi immonde, les Member Berries, là. Parce que c'est quand même des raisins vivants. Ouais. Qu'est-ce que ça va me faire de déplacer ça? Non mais je peux passer là, quand même. Pourquoi je peux passer? Bah si. That road leads to a dark and mysterious land where people go missing and no one ever hears from them again. If I were you, I wouldn't go down that road. Venez, mais moi je veux. Et ça va m'aider à le faire bouger. Good day to take the tractor out back and back up traffic. Mais non mais sérieusement, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te casse la gueule? C'est quoi le... Ah non, il faut que j'arrête le temps, bah bien sûr, mais pourquoi j'y pense pas? Mais du coup, à quoi sert ces B par contre? Bon, je sais pas ce qu'on peut faire là derrière. Non. Non, bah écoute, ouais, je vais faire mon attaque spéciale, hein. Et à un moment, tu veux pas me laisser passer. Je vais être obligé de t'obliger à me laisser passer. Allez. Salut. Ah là, tu peux rien faire, hein. Ah là... Là, on a rien à dire, du coup. Ah non. Non, ouais, du coup, je reviendrai là. Du coup, non, en fait, il faut que j'arrête le temps et que je déplace, que je le coince avec le truc de Member Berries. Comme ça, il est niqué. Et oui, regarde. Comme ça, je mets ça là. Et je peux passer sur le côté, non? Ouais, un avis, là, et voilà, et du coup, t'es niqué, allez. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Ouh, le Canada, donc comme dans le premier jeu, est-ce qu'il y aura toujours cette espèce de... De côté 8 bits au Canada. Oh, des Member Berries, bah ici, c'est peut-être mes dernières. Non, c'est pas les dernières. Ok. Alors. Ouh, ça a changé. Il n'y avait pas ça déjà au début. Propane. Ah, mais il y a toujours la musique de Blame Canada en 8 bits en fond. Donc là, voilà, là c'est la route du Canada, hein, la seule route du Canada, évidemment. Donc on va la suivre. Qui est très longue. Welcome to Canada. Oh non! Il y a un putain de mur. Ouais. Il n'y a pas un moyen, genre des canons pour me faire rentrer comme Monsieur Garrison? Mais c'est nul. Ouais. Mais je peux pas passer du coup. Mais moi je veux passer. Blame Canada. Mais dans le premier jeu c'était trop bien, pourquoi on peut pas y aller là? Pourquoi ils ont construit un mur à cause du Canadien, du Trump canadien, mais il est mort. Il s'est fait buter par Garrison, il s'est fait enculer à mort par Garrison. Donc bah ça casse les couilles. Mais y a vraiment aucun moyen pour moi de rentrer? Genre du tout? Ouais. Mais tu te fous de moi là? Oui. Mais merci. C'est très chiant. Il y a vraiment aucun moyen? Mais c'est insupportable du coup. Mais comment je fais? Ah! Donc il y aura un DLC Canada. Ah mais très bien. Il fallait lire tout de suite, je me serais cassé si je savais qu'il y avait un DLC Canada. Donc il y a un DLC Canada. Donc c'est cool, on pourra sûrement aller au Canada, mais dans le DLC, bon là on peut pas... Mais pourquoi je peux pas rentrer? Ah c'est là, ok, moi je passe pas par la route, je passe par là. TG. Ouais, donc on peut pas aller au Canada dans ce jeu.
Alors que dans le premier on pouvait... Enfin si, on pourra peut-être en DLC, donc c'est chiant pour ceux qui n'ont pas payé, mais vu que j'ai le Season Pass, je vais pas me plaindre, parce que du coup je m'en fous. Du coup, bah cassons-nous. Il n'y a pas la ferme qui était là du premier jeu, c'est dommage aussi parce qu'elle était bien la ferme. Du coup, on va aller voir ce que Morgan Freeman a à nous dire, et on se laissera là, je pense, ouais, tout simplement. Voilà, donc on va aller voir Morgan Freeman. Alors Morgan Freeman, j'avais vu sur des trucs, des écrans de chargement, et j'ai aussi entendu parler qu'on m'avait dit qu'on peut le combattre en l'attaquant, mais que c'est le mob le plus dur à battre du jeu. Donc on va sûrement le faire dans le prochain épisode, j'imagine. Ça va être assez drôle du coup. Ah ouais. Ah bah ça c'est sûr hein. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire? Updated the menu, kid. You either innovate or get left behind in the taco business. Oui mais moi je veux quoi? Mais c'est ignoble. Recette souviens-cito au chocolat. Moi je vais dire recette memberito au chocolat parce que c'est déjà mieux mais ah. Il y a même Just pick something, kid. Pédosabre. Non, chef. Bon, on va prendre ça. On va prendre le pédosabre là. Nécromètre de gluten. Bon, on va le prendre aussi histoire d'avoir plus d'artefacts. Et fournaise métabolique, il est pas ça non plus. Donc on va faire un artefact de plus. Bah c'est bon. Du coup, ça va nous. Je peux manger le truc du coup maintenant. Inventaire. Ah non, il faut que je le crafte d'abord. Ok, création. Alors, artefact, bon, on s'en fout. Œuvre d'art en eau, consommable. Ah, ça, objet de mission. J'ai tout. Ah non, j'ai pas le chocolat, merde. Souviens-cito au chocolat. Afficher les composants. Brownie ultra fourré de Madame Cartman. Et je trouve ça où? Faut que je trouve ça chez Cartman, du coup? Bah écoute, on va faire ça dans le prochain épisode, voilà, vous m'avez senti venir. Juste aller me TP quand même chez Cartman. Parce que ouais, je pense que je dois trouver si ça existait déjà. Ouais. Ouais, peut-être que ça a été ajouté dans le frigo ou quoi, parce que je l'aurais trouvé. Alors on va juste aller chez Cartman et essayer de trouver le truc au chocolat, enfin le chocolat avant de partir. Mais ouais. Maison de Cartman, c'est ici. Voilà. Allez, désolé de me moquer de toi. En fait, il avait pas l'air content parce que je me suis moqué de l'handicapé. Mais ça, c'est pas ma faute parce que enfin, c'est drôle, quoi, c'est tout. Je parie que tu peux pas escalader le mur États-Unis-Canada. C'est vrai, apparemment, je peux pas. Utilise des Tupperware pour construire une tourelle ou un méca laser annule la garantie à vie. Annule la garantie à vie. Certaines personnes ne prendront pas de selfie avec toi tant que tu ne leur auras pas rendu un service. Bah oui, c'est logique. Tout à fait logique. D'ailleurs, je pense que j'ai pas encore pris de selfie avec Randy. Un ennemi sous l'effet de choc inflige des dégâts aux méchants proches à la fin de son tour. Ouais, je sais. Lave-toi les mains après avoir touché la trompe de moustique, à moins que t'aies déjà contacté le virus du Nil occidental. Ouais, tu devrais essayer de combattre Morgan Freeman, vraiment. Voilà, ça de vous parler, bah, on essaiera dans le prochain épisode, du coup. Mais je pense que ça nous troll, hein, parce qu'il est beaucoup trop chaud. Le plus grand crime du professeur Chaos est qu'il n'a pas d'autorisation d'enseigner. Ah ouais, et puis ça s'appelle le professeur, donc ouais, ne joue pas dans la rue, bah ouais, parce qu'après il y a les voitures, elles vont passer, elles vont dire, don't stay on the road, damn kid, et voilà. Bon allez, on peut se casser, bah, on peut aller voir du coup ce qui se passe chez Cartman, parce que je veux ce putain de burrito. Je sais pas du tout dans quel bâtiment je suis pas encore allé, donc il va falloir que je fasse tout, et que je rechie dans toutes les chiottes pour être sûr. Alors, faudrait que j'ai, je sais pas, il faudrait que j'arrive à trouver où je pourrais trouver ça. Ouais, mais t'as pas de brownie. Well, I hope you're having fun playing with the kids on the block. My little Eric loves making new friends, and so do I. Listen, I have new business cards and I need a little helper to hand out around town. OK. I'm a personal touch of class. Il y a une carte même. Starting at Skeeter's bar. Help me get some clients and I will cook you something super yummy. Ok, donc quand j'aurai distribué les cartes de visite, je pourrai avoir le brownie. Et bah, hey, ça fait une bonne mission pour le prochain épisode. Donc on se dit à demain. Bye tout le monde. Salut.